m'appelle Victor. Il y a 2 ans, ma mère est rentrée d'un voyage au Népal, avec beaucoup de photos et d'histoires. Une d'entre elles m'a particulièrement touchée, c'est celle des enfants là-bas, et notamment de leur éducation. Elle a visité une école où elle a apporté quelques trousses et quelques cahiers, mais j'ai senti que le besoin était bien plus fort. Heureusement, elle est restée en contact avec le professeur d'anglais de cette école, Monsieur Bamdev Sharma, que j'ai contacté et qui m'a parlé d'une autre école, encore plus dans le besoin, et qui faisait aussi office d'orphelinat, Pranavanand Ashram, en périphérie de Katmandou. Il m'a parlé de leur manque de fournitures, notamment de leur manque de cahiers. J'ai donc contacté Claire Fontaine, qui a accepté de nous donner une partie de leurs invendus pour qu'on puisse les apporter dans cette école et en profiter pour partir sur le terrain et filmer l'action. J'ai aussi lancé une collecte de fonds pour rendre ce projet financièrement possible, et un mois après, vous étiez plus d'une centaine à avoir répondu à l'appel. Le projet était lancé. Il ne nous restait plus qu'à acheminer les fournitures de Paris jusqu'à l'école. Pour ça, j'ai contacté Oman Air, qui a accepté de transporter gracieusement les 180 kg de matériel. On est parti le 4 juin dernier, avec Clara, ma sœur, réalisatrice sur le projet, Ingrid, notre deuxième réalisatrice, Johan, un ami bénévole, et Michel, notre guide, en direction de la petite école de Pranavanand Ashram. On a profité des 3 premiers jours pour visiter Katmandou et s'imprégner de la vie népalaise. Et on en a appris un peu plus sur ce qui s'était passé en 2015. Le 25 avril 2015, un séisme d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter a frappé le Népal, à 77 km au nord-ouest de Katmandou. Ce séisme a fait 17 000 morts, et ce fut le séisme le plus destructeur au Népal depuis 1934. Aujourd'hui, malgré une reconstruction majeure, il reste encore des quartiers qui en gardent beaucoup de traces. C'est le cas de Bhaktapur. Après une après-midi dans les rues de cette cité royale, on se rend compte de la fragilité de la vie. On a été bouleversé par toutes ces destructions et ces regards qui vous touchent droit au cœur. Mais on a fini cette journée sur des images qui redonnent espoir. Car au milieu de tout ça, les gens gardent le sourire et les enfants leur joie de vivre. Et ils jouent, même au milieu des décombres. À Paris, on a les grands hôtels, les grandes avenues, les nouvelles technologies, la richesse. Au Népal, c'est différent. La pauvreté se trouve à chaque coin de rue. Et c'est en allant visiter les quartiers les plus pauvres, le long de la rivière sacrée, la Vishnumati, qu'on se rend compte que ce qui fait la richesse du Népal, ce sont les gens. On a passé plusieurs soirées là-bas, et l'ambiance était tellement chaleureuse que j'avais envie de rester tous les soirs avec eux. Que même s'ils n'ont rien, ils ont leur famille, leurs amis, les gens qui les entourent. Ils vivent dans la misère, certes, mais ils vivent ensemble. Et puis le grand jour est arrivé. On a apporté les 180 kilos de cahiers à l'école. On a été accueillis par le directeur de l'école, Monsieur Rajaram Yadav, et Bamdev, le professeur d'anglais sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. On a distribué un cahier symbolique à chaque élève, et puis le directeur s'est chargé du reste. Et on a visité l'école. Il s'avère qu'une partie de celle-ci est en construction dans le but d'accueillir plus d'enfants, mais aussi de pouvoir faire une bibliothèque et une salle informatique. Ensuite, on a assisté à la routine matinale des enfants. Attention. Cover up. Sorry.
les a suivis de l'éveil corporel au déjeuner de 10h, qui les fait tenir jusqu'au soir. We have altogether 200 students. We teach them free of cost. We don't take any fee from them. The students here range from age 5 to age 20. 55 students stay here in the dorms. The school takes care of them. Most of the children are helpless because they have been left out. Their parents may have died, and some of them are very, very, let's say, financially very weak. And there are some students who come outside from these schools and they mix with the children here in the dorms. So it has been a good connection with them, the children who come outside and the children who live here. And come together, sit together, eat together, and laugh together, and love each other. C'est là que le nom du projet a pris tout son sens. On a profité des deux jours suivants avec eux. Ils nous ont chanté des chansons. On leur a chanté des chansons. On a échangé quelques mots français, anglais, népalais. On a échangé surtout beaucoup de sourires. On a joué beaucoup, rigolé. On leur a donné quelques cours et ils nous ont donné des leçons de vie. On a voulu apprendre à mieux les connaître, pour mieux comprendre les enjeux auxquels ils doivent faire face. Et c'est là qu'on a fait la rencontre d'Ayusha. My name is Ayusha Bora. I am 9 years old. One horse, one chance. It is a beautiful place. How many districts are there in Nepal? Seven. How many? Seven. How many zones are there in Nepal? Ayusha est demi-pensionnaire. Elle habite avec ses parents, pas très loin. Donc elle va à l'école à pied. En la raccompagnant chez elle un soir, on a compris sur le chemin la nécessité de l'éducation. Et à quel point c'est un privilège. Aujourd'hui, quand ça va pas trop, je pense toujours à la petite Ayusha qui marche toute seule sur son chemin de l'école et qui, malgré tous les problèmes qu'elle doit affronter, la réalité dans laquelle elle est née, garde le sourire. And you'd look back and think it's funny how you spent your time and money.